Bonjour les enfants! J'attends que le premier arrive et je me réveille. C'est la course ce matin. Comment ça va? Je parle pour la rediffusion hein, parce que il y a personne. Wonderful Life, toujours. Vous savez que c'est l'hymne du cours pour le moment. Du groupe MA qui va bientôt faire son clip maintenant qu'on a le droit de sortir. Qui c'est qui est là? Bah évidemment, Miss Giron. Comment ça va, Giron? Giron, fais pas jeu de mots sur les... Bah, Marilyn, ma chérie, mais vous êtes toujours là en premier, ça va? Bon alors, les enfants, j'attends encore Sabine, mais en fait, c'est toujours le tiercé gagnant, hein. C'est dans cet ordre-là. Allez, j'enlève les... Je vous retrouve à la fin. J'enlève juste les messages qui... Mais il y a toujours... Chante tout, ça va, chouchou? Allez, à tout à l'heure. Je vous vois à la fin. Alors, je voulais simplement vous rappeler, c'est le cours du matin, c'est le cours débutant. Mais vous savez que nous sommes à distance, donc faites vraiment attention à vous. Si je préfère vous mettiez des chaussures des baskets, même s'il n'y a pas d'impact, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements sur la cheville, voilà. N'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas qu'on ne mange pas juste avant pour faire du cardio. Évidemment, il faut au moins une heure pour digérer le petit déjeuner, donc je préfère que vous vous hydratiez juste avant, hein, et que vous fassiez le cours. À la limite, vous mangez un fruit, voilà. Mais il ne faut pas bloquer la digestion. On ne peut pas et digérer et faire un exercice avec les muscles. N'oubliez pas de vous hydrater pour le cardio. Légèrement essoufflé. La barre ensuite. Et puis après, on va au sol. Donc vous savez qu'il y a le tapis avec les petits accessoires. Le coussin et la serviette. Allez, c'est parti. Alors, je vous relance encore une fois. Si vous pouvez faire de la publicité pour ce programme, voilà, maintenant, cette phase qu'il faut, c'est développer les gens qui viennent et pas par les réseaux sociaux parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est par le bouche à oreille, donc c'est quand vous allez en parler. Donc, s'il vous plaît, si vous avez envie de partager ça, faites-le, ça va aider à asseoir ce programme et peut-être que ça va nous emmener très très loin. Allez, c'est parti! Le cardio, je reste avec vous. Faut pas perdre le regard. Let's go. Allez, là. Comment ça a marché? Ouvrez la bouche. Respirez avec la bouche. Et maintenant, respiration, mais en tenant le ventre. Donc, on tient un petit peu le périnée et un petit peu le ventre. Voilà. Vous rajoutez les bras sans les croiser devant. C'est vraiment l'impression de boxer vers l'avant, vous voyez? Et jamais au-dessus de l'épaule. Essayez d'inspirer sur deux pas et de souffler sur deux pas. Inspire, inspire, souffle, souffle. Et quand vous soufflez, vous mettez vraiment du volume sur l'expiration. Ça va? Allez. 1, 2, 3 et tap. 1, 2, 3, tap. Tap, tap, 1, 2, 3, vous avez ça? Ok, 1, 2, 3, et tap, et tap, toujours grand, et, toujours la respiration avec le ventre, avec la bouche, pardon, j'entends quelqu'un qui se réveille. Alors que moi, ça fait plaisir quand même. Ok. Et là, vous relâchez un pas de chaque côté. Alors, vous serrez entre les omoplates. Mais attention, quand on serre entre les omoplates, on monte les épaules. Parce qu'on ne peut pas faire serrer en arrière et baisser. Et nous, on le fait quand même. Donc, vous serrez, sentez entre les omoplates, mais sentez que c'est contracté là-dessous. Voilà. Pensez à vos... pieds vers l'extérieur légèrement et les genoux aussi. Alors, on va faire des doubles pas des deux côtés. Et on va mettre. Allez, double. Double. Essayez de les plier un peu plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Toujours les épaules basses. Alors,
À mon signal, on en fait 3. Le premier, le deuxième, et là c'est le dernier. Et là on reste en simple. Voilà, restez en simple. Et on va refaire 3 de l'autre côté, 3 doubles. Allez, on y va. 3. Encore 2. C'est le dernier, vous vous arrêtez. Et là vous faites 2 secteurs. Et on repart. 3. 2. Dernier, arrêtez-vous. Et 2 secteurs. Et on repart. Un peu de... C'est pas un peu mal encore. Un double. Et 2 secteurs. Je dis plus rien, faites-le. Je dis plus rien. Hein. Ok, vous l'avez? Allez, on marche. On reprend du début, vous vous rappelez? On avance et on recule. 1, 2, 3 tapes. Allez, on y va. Encore. Dernière fois. Et on passe sur le côté, double. Et 2 steps. Et là, marche avec le pied gauche. Et puis on a changé de côté. Et on reprend. 1, 2, 3 tapes. Allez. 1, 2, 3 étapes. Étape. Étape. Et on avance. Étape. Et on recule. Étape. Allez, gardez-le. Corrigez-vous. Grandissez-vous. Tenez le ventre. Ne croisez pas les bras. Ouais. Encore. Encore. Allez, dernier. C'est bien de faire du répétitif pour le cerveau le matin parce que là, c'est la brume. Oui, oui, c'est la cornouaille. Allez, un pas de chaque côté. Un step touch. Et on va reprendre nos doubles pas, 3 fois, et les 2 step touch. Donc 3, 2, 3, 2, 1, on y va. Et, deuxième, dernier, on reste, et 2 step touch. Et on repart, 3, et 2, dernier, on reste, et 2 step touch. Allez, on repart, 3, 2, dernier, stop, et 2 step touch. Dernier. Ouais. Et deux. Test. Ok. Alors. Nous sommes toujours à gauche. Donc devant derrière. Et notre petit changement de côté en allant sur les doubles. On y va? C'est parti. Allez, avance. Étape. 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 Encore 4 fois. 3 fois, 2 fois, les doubles. Allez, double, double, double. Et là, on reste. Ouais, et on marche. Ok, on est à droite. On essaie d'enchaîner droite et gauche. Vous voyez que c'est possible. Devant, derrière, 3 sur le côté et 2 step touch. Allez, on y va. 4, 3, 2, en avant. 1, 2, 3, étape. Et tape. Tape. Encore 4. 3. 2. Les doubles. Le premier. Le deuxième. Le dernier. Et on repart à gauche. Allez, pied gauche. On l'a fait. Ouais. Ouh. Vous entendez la musique? Encore 4. 3. 2, les doubles, allez, et les 2 step touch, restez là, et on repart à droite, allez, un petit peu d'assurance, toujours grand, toujours tenir le centre, encore 4, et les doubles, allez. Le dernier, 2 step touch. Et on repart à gauche. Allez.
Ça fait du bien de bouger les bras. Oh là là, j'adore. Ça bouge pas les bras, sinon ça pend comme ça, en penguin. Les doubles. Pliez bien les jambes. Deux step touch et on repart à droite. Allez. On n'ira pas plus loin dans la Corée, hein. C'est déjà bien, je suis content. Vous entendez les 8? C'est la fin? Allez, on y va, double. Genou vers l'extérieur. Je dis rien, hein, vous êtes trompé? Moi oui, à l'instant. Ça se fait une hésitation. Une hésitation. On y va. Allez. Et on repart. Encore. Le dernier. Je m'en vais sur le côté. Et à gauche. Allez. Voilà, restez concentrés. Parce que les gars, un semblant de choré quand même, hein, les enfants. Je ne dis plus rien pour voir si vous y arrivez. C'est moi qui n'arrive pas, vous avez vu? Pied droit. Ridicule. Vous êtes mieux que moi là, hein? Ouais. Allez. Je ne regarde plus. Je suis impressionné. Qu'est-ce qui s'est passé là dans la musique? Allez, encore. Faut pas que je me trompe quand même. C'est mon programme. Je suis sur le côté. Et je repars à gauche. Conquérant, ça y est, ça y est, ça y est, ça revient. J'ai envie de danser. Les doubles pas. Ok, on fait tout ça sans les bras, on essaie. Voilà, le retour au calme, fais le plus petit. Reste avec la bouche. Les doubles pas, 3, 2, dernier, le step touch et à gauche. Respirez bien avec la bouche, même si c'est plus facile. Allez, encore 4, 3, 2, double pas à gauche. Voilà, sans trop plier parce que là c'est le retour au calme les enfants. Voilà, vous restez. Je déclare la fin de la première partie. Allez, vive un petit peu. You set me free. Oh. On prend la chaise. On enlève ce qu'il y a sur la chaise. Et on passe à la barre. Mes petits chéris, ah, vous venez, vous partez, il y a les chiffres changent. Mettez-moi des choses plus graves à chanter. C'est dur ça. Allez. Les enfants, vous savez, vous êtes mieux, pieds nus. Donc n'hésitez pas à enlever les chaussures.
Les lacets, défaites-les, ne faites pas comme moi, ça fait des horreurs sur les entorses. On commence face à la barre, les enfants. Voilà, mettez-vous en parallèle. Pliez. Pliez. Pour étirer le mollet. Voilà, vous voyez, je reste droit. Pas les fesses en arrière. On se gratte le dos contre le mur. Imaginaire. Pli, tendu, pointe de pied. Et pose. Quand vous montez, n'oubliez pas le genou. C'est la réaction naturelle. Basculez bien le bassin vers l'avant. Par la contraction abdominale. Donc le périnée et les obliques qui ramènent le bassin vers les côtes. Ça se resserre ici. L'impression d'avoir la queue entre les jambes, comme ça, comme le chien qui a peur. Tais-toi, toi. Allez-vous. Mettez-vous en V. Petit V. Voilà. Soulevez les orteils pour voir si ça se place bien. Ouais. Pliez les genoux au-dessus des orteils. Tendu. Pliez. Pour ouvrir les genoux, vous serrez les fesses. Appuyez bien l'extérieur du pied. Le genou absolument au-dessus des orteils. Voilà. Parce que si vous êtes comme ça, avec le genou vers l'avant, vous allez vous massacrer l'articulation du genou. Faites bien attention parce que je ne suis pas à côté de vous. Même si je suis envahissant. Allez, on essaye. Et tendu. Et la pointe de pied. Coccyx vers l'avant. Voilà. Encore. Ouvert. Et il monte. Alors, mon petit V a tendance à s'ouvrir parce que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Ouais, vous savez que moi, j'ai tendance à faire ça. Hein. Ouais, mais ne faites pas. Restez en V. Vous faites pas mal. Ouais. Ok, allez. Je baisse un peu. Le mec sait toujours pas où est le bouton pour baisser, hein, ne lui dites pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est en parallèle. On va tendre vers l'avant. Une jambe après l'autre. Et là, regardez, ce bras-là n'est pas mort. Voilà, appuyez. Appuyez vers le bas. Voilà. Appuyez sur la hanche ou sur la taille. Voilà. Sentez bien ces muscles-là qui sont grattés. La poitrine et sous le bras. Et là. Sous les aisselles, en bas de l'omoplate. C'est ça qui baisse l'épaule. Voilà, et vous voyez, on passe en fait d'un pied sur l'autre. On cherche l'équilibre sans bouger le bassin. Vous l'avez ça? On essaie de pointer quand on va vers l'avant. Pointe. Pointe. Essayez de lâcher un peu la barre pour voir que vous ne partez pas en arrière. Voilà, le bassin vers les côtes et les côtes vers le bassin. On rétrécit ça. Ouais. Allez, on va de l'autre côté. On va face en fait. Alors imaginez que j'ai la barre, parce que sinon vous ne verrez pas. C'est bon, vous l'avez? On va monter d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là, il y a la barre. Hein. Comme ça. Ouais. Et vous avez vu, quand je monte la jambe en parallèle, je ne bouge pas le bassin. Voilà, ça c'est un travail d'abdominaux. Les obliques. Pied flex. Ouais. Et on essaie de pointer. Gardez vraiment le talon vers l'arrière. Le genou vers l'avant. Les deux hanches au même niveau. En fait, il faut arriver à baisser la fesse de la jambe qui monte. C'est beau. J'adore. Alors, vous êtes toujours à la barre, mais vous allez aller derrière. Donc, vous êtes en parallèle et vous allez donner un petit coup. Comme ça, vous allez ruer, mais en parallèle. Ne me faites pas la rotation pour que le bassin ne bouge pas. Donc, ça donne ça. Vous voyez, la barre est là, devant vous. Et quand vous reculez, n'écartez pas la jambe. Donc, il faut vous servir des muscles à l'intérieur de la jambe pour ne pas faire ça. Vous voyez, vous contractez les adducteurs. Évidemment, vous penchez un peu en avant pour aligner le buste. Avec la jambe arrière. Au niveau du sol, vous rappelez que votre jambe est tendue mais pas verrouillée au niveau du genou. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Bénédicte? Et si j'ai Peggy avec moi ce matin, ma chérie, je t'ai envoyé un message pour avoir le lien pour l'émission de Michel Simès d'hier soir parce que je n'ai pas vu en entier. Ça m'intéresse. Et quand on va sur les rediffusions de France 2, on ne comprend rien, mais rien de rien. On dirait qu'il faut s'abonner. C'est pas pratique. Hein. C'est pas ta faute, chérie. Hein.
Donc je veux bien voir l'émission. Ouais. Ça va, vous sentez ça, ce travail-là? Ce travail abdominal? Je vous ai parlé du périnée? Allez, relâchez. Allez, maintenant on va passer à la barre. Vous la gardez toujours en avant. Vous voyez? Regardez, la barre est toujours en avant. Pour que la main soit en avant. Alors, on va devant. Et on replie. On va sur le côté en parallèle. Et on replie. On va derrière, on penche. Et on replie. Et on va sur le côté. Mais on repart en arrière. Derrière. Parallèle. Et quand vous pliez, votre genou est vraiment orienté avec les orteils au sol. Nous sommes en parallèle, c'est facile. Et en arrière. Mon Dieu, on dirait qu'on est dans une fumerie d'opium, vous trouvez pas? Je sais plus où on en est les enfants, hein. Devant, derrière, je bouge ma patte, faites-le comme moi. Allez, relâchez l'autre côté. Faut que je me concentre, j'ai perdu ma croix. Allez, devant. Musique. Je suis prêt, devant. Côté. Derrière. Côté. Derrière. Côté. Devant, et on reprend devant. Elle. Parallèle. Les hanches au même niveau. Reprend derrière. Hey. Je sais plus où on en est, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'écran, il m'arrive des notifications alors que j'ai tout enlevé. Je suis en mode presque avion, les enfants. Mais je crois que je suis en mode avion en plus. Bon, allez, vous faites ça en croix. Que vous commencez devant ou derrière, de toute façon, vous faites tout, hein. Allez, on relâche. Alors les enfants, on va faire ça en pointant maintenant. Donc pointe devant, pointe côté en parallèle, pointe derrière et on reprend derrière. Derrière, côté, devant et on reprend devant. Devant, côté, derrière et on reprend derrière. Derrière, côté, devant. J'ai été obligé de faire ma propre musique, hein, vous avez vu? Allez, côté, devant, côté. Derrière, côté, on reprend derrière, derrière, je penche, devant, et on reprend devant, devant, côté, derrière, et je reprends derrière, côté, devant. Tu vas pas chanter sur moi, toi. Les enfants, le rond de jambes, devant, côté, derrière, et je reviens, derrière, côté, devant, ne tendez pas la jambe à fond, tendue mais pas verrouillée. Allez. Tenez bien le ventre. Parallèle. Le bassin au même niveau. Périnage. Allez, une dernière fois. Allez, changez de côté. Je baisse, je baisse. Il n'a toujours pas compris le bouton que c'est, hein. Il comprendra jamais. On y va? Allez, devant, côté, derrière, derrière, côté, devant. Encore. Quand vous allez derrière, penchez un petit peu en avant. Voilà. Et ramenez toujours le coccyx vers l'avant. Toujours. Essayez. Coccyx vers l'avant. Et ben voilà! Allez, notre dernier. Allez, sans surprise, on va faire la même chose, mais en pointant. Allez, pointe. En parallèle. Derrière, cherchez loin. Avec le pied, avec le sommet du crâne. Grandissez-vous. Allez, montez-le un peu. Montez-le à 45 degrés si vous arrivez. Coccyx à l'avant. Parallèle. Parallèle. Ouais. Et. Parallèle. Je me mets face à vous parce que le parallélisme, on le voit comme ça. La main en avant, on dirait les voitures. Moi et les voitures, eh ben ça n'existe pas. C'est comme moi et le foot. Voilà. C'est ya. Ça n'existe pas. Allez, on y va. Devant. Côté. Derrière. Et. Coccyx vers l'avant. Coccyx vers l'avant. Coccyx vers l'avant. Ça aide, hein?
Surtout quand on est derrière. Mais ça arrive tout le temps. Jamais sans mon coccyx vers l'avant. Mais c'est bien l'épaule. Regarde, c'est vers toi que je pointe. Tout ce que tu te racontes dans la tête, ça rajoute quelque chose. C'est toi, quoi. Eh ben oui, comme dit Michelle Obama, vous avez pas vu ce truc sur Netflix, ce documentaire fabuleux. Qu'est-ce qui fait que tu ne rentres pas dans un moule, dans des statistiques? C'est parce que tu es unique, sois unique, pense comme toi. D'où Gilbert, Corona l'un, Corona terre, forever. Alors. Allez, les enfants, vous allez vous mettre comme ça. Vous allez ouvrir et fermer sans bouger le bassin. Donc qu'est-ce que vous faites? Le bassin, vous le refermez. Pour le refermer, ben, c'est le travail des obliques. Et vous ouvrez le genou avec la contraction de la fesse. Donc poussez bien ça en avant. Alors, mettez la main devant le bassin. Voilà, vous poussez le bassin en avant. Le fait de le refermer, il y a le gros travail de l'oblique. J'ai pas dit 2000, j'ai pas dit 3000, qui dit mieux? Voilà, vous sentez ça? Super, faites de l'autre côté. La barre en avant. Voilà, allez, poussez ça en avant. Mettez la main là. Voilà. Donc vous refermez, hein. Mais vous ouvrez le genou. Eh ben oui. Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe sur scène, les enfants. Ça tombe bien parce qu'on a un spectacle à la fin. Hein. Vous imaginez le spectacle virtuel, tout le monde se filme. Le concept, hein. On s'est connu en confinement. On s'est connu en confinement. Eh ben oui. Eh ben je vais vous dire un truc. Vous êtes beaucoup plus proche, mais beaucoup plus proche de moi que certaines personnes. Et elles viennent de se reconnaître, si elles regardent. J'ai eu un coup de fil, non, je peux pas vous dire. Non, non, mais c'est indécent, indécent, des gens comme ça. Allez, les enfants, on est retourné là. Mais on va le faire en mettant le talon derrière. Vous voyez, le talon, il n'est plus devant, comme ça, il est derrière. Ça marche? Allez. Donc vous ouvrez, et quand vous ouvrez, refermez le bassin. Voilà. Voilà, donc vous appuyez bien le talon, hein, sur l'arrière du genou. Vous ouvrez et vous penchez un petit peu en avant pour la suite. Regardez, là, vous allez monter et vous revenez. Vous ouvrez, vous montez. Ouais. Gardez le bassin face. Donc quand il n'y a plus d'ouverture, on monte le genou. Allez, coccyx vers l'avant. Ouais. Allez, l'autre côté. C'est derrière. Derrière. Ouais. Et vous refermez bien le bassin. Hein. Ça vous pousse en avant. Derrière. Ouais. Allez, je passe face à la barre pour la suite. Allez. Je monte. Je monte. Je veux que vous me voyez quand même. Ouvert et monte. Ouvert et monte. Ouvert et monte et je penche. Ouvert, monte et je penche. Et une dernière fois. Super, mes enfants. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous allez prendre la jambe de la barre, la plier par terre et là vous montez. 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 Ouais. Et vous montez l'autre derrière. L'autre. Montez, 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 montez. De l'autre côté. La jambe de la barre avec lui. Et monte. Et reviens. Et monte l'autre derrière. Et on relâche. Étirez le dos. Arrondissez un tout petit peu. Avant le sol, les enfants. Prenez le tapis. Ça va? Alors, le tapis, le coussin et la salotte. Alors, je voulais vous remercier. J'ai eu encore des abonnements qui sont arrivés ce matin. J'ai vu ça. Donc, il y a des gens, je n'arrive même pas à les remercier. Je ne les connais pas. Il y a des noms, je ne connais pas, les enfants. Donc, mettez-moi un mot sur mon mail. Mettez-moi... Et comment voulez-vous que je vous remercie quand même? C'est la moindre des choses. Hein, les enfants? Merci. Et puis, la publicité, ça ne vous empêche pas, hein? Parce que c'est vraiment la condition pour qu'on démocratise ce programme. Ça serait bien qu'on baisse les prix. Eh oui, qu'on aille vers les prix des applis, les enfants. Allez, je vous salue.
Ça sent le pain grillé, je vous le dis. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de se griller un pain. Allez, on commence en pompe. Mettez quelque chose entre les genoux. Voilà, soit le coussin, voilà, les pieds à la largeur des genoux, donc pas trop large. Voilà, vous basculez, vous allez monter. Tirez loin sur les doigts. Vous inspirez et vous déroulez. Voilà, continuez parce que moi je vous montre. Maintenant qu'on peut commander en ligne, on peut s'acheter le petit ballon de Pilates. Le ballon de Pilates il coûte 5 euros et moi je l'ai acheté à Decathlon. Voilà. C'est pas une pub, vous vous doutez bien que je suis pas sponsorisé. 5 euros et il va de 22 à 25 cm de diamètre. C'est excellent, regardez. Vous serrez, vous montez. Voilà. Et vous soufflez, vous déroulez. Soufflez, vous montez. Donc vous mettez soit le coussin, soit le ballon. Coccyx vers l'avant. Essayez de faire la même chose en soulevant les bras du sol, mais toujours en tirant loin pour sentir que c'est contracté sous les aisselles et en bas des omoplates. Vous reposez bien sur les épaules, pas sur la tête. Pensez à appuyer les épaules et les talons. Je continue à vous montrer, regardez. Salon, il faut vraiment être aligné, voyez. Très important d'avoir l'alignement des hanches, des genoux et des pieds. Voilà, vous déroulez. Allez, une dernière fois, vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Et vous mettez quelque chose derrière la tête. Voilà, si vous avez le coussin entre les jambes, mettez un autre coussin ou la serviette. Voilà. Vous allez garder le coussin ou le ballon, je vous montre après. Entre les genoux et vous soulevez les pieds, simplement ça. Voilà, vous les soulevez et vous les descendez. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous descendez les pieds, vous sentez vous cambrer. Quand vous avez les pieds qui montent, vous sentez que vous décambrez. C'est pour ça que dans toutes vos postures, votre travail, il faut soutenir les pieds pour avoir une tenue abdominale. D'accord? Au moins à table et à table à dessin, c'est encore mieux. Vous l'avez ce truc là? Allez, continuez. Je vous le montre avec le coussin. Avec le ballon. Vous voyez, c'est pas la peine de tendre les jambes. Parce que si je tends les jambes, je vais écarter les pieds. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est bien avec ce ballon-là? Continuez. Hein. C'est qu'en fait, après, on peut aussi faire des choses où on s'appuie dessus. Voilà. Et ça peut être un peu plus dur. Les enfants, vous gardez ce que vous voulez entre les genoux, donc le coussin ou le ballon. Écartez un peu les bras, soutenez les pieds et vous allez aller sur le côté en soufflant. Voilà. Donc, gardez la même contraction de deux côtés de la taille. Vous voyez, vous gardez les côtes. Glissez vers le bassin et gardez les mains au sol. N'hésitez pas à vous mettre sur le bout des doigts parce que quand vous êtes sur le bout des doigts, vous pouvez vous autoriser à avoir les épaules un peu en l'air et ça correspond à votre arrondi du dos. Voilà, tirez loin sur les doigts. Voilà, moi j'ai un dos qui est arrondi en haut et quand je suis comme ça, j'ai des tensions au milieu du dos. Donc je suis mieux comme ça. Voilà, toujours le coccyx vers l'avant. Toujours les pieds en l'air, le travail du périnée. Toujours, toujours quoi. Ok, allez vous relâchez. Et vous allez vous étirer encore une fois, mais simplement en allongeant une jambe après l'autre vers le bas. Voilà, gardez les mains sur le bassin. Pour sentir, vous voyez que ça ne cambre pas. Au contraire, vous ramenez le coccyx vers le haut. Le bassin ne s'éloigne pas du bas des côtes. Voilà. Donc le fait d'avoir les mains sur le bassin, vous sentez s'il y a de la gigue. On dit ça non, en marine. Voilà, les épaules basses, faites glisser les omoplates vers les fesses. Voilà, poussez bien sur le centre du talon, j'ai l'impression qu'il manque un bout de pied. T'es où mon pied? Ouais, c'est bon. Tu peux voir? Ouais, c'est bon. Merci. Ok. Montez-moi ça un peu plus haut. Essayez de mettre quelque chose sous les fesses. Donc on a quelque chose sous les fesses, on a quelque chose derrière la tête pour adapter la posture. Et ça nous permet aussi d'arrondir le bas du dos, d'arrondir la nuque. Gardez les mains là, montez les jambes à table et soutenez les pieds. Voilà, vous allez descendre une jambe après l'autre. Mais en imaginant que vous coincez quelque chose derrière le genou. Regardez, vous voyez? Là. Voilà. Donc on ne tend pas la jambe.
C'est très important parce que je préfère que vous travailliez sur le placement du bas du dos plutôt que de tendre la jambe et de tout lâcher, comme je vois tout le temps. Voilà, coccyx vers le haut. Voilà, imaginez en fait que vous voulez ramener un petit peu le pied vers la fesse. Voilà, plus vous passez de temps vers le bas, plus il y a de travail. Regardez, si je fais ça, ben, vous avez vu le temps de travail. Oh là là, le périnée est tellement contracté que je ne peux plus parler. Il est dans la bouche. Ouais. Alors, maintenant, tout doucement, vous allez allonger la jambe, mais vous allez tirer l'autre vers vous. Quand vous tirez la jambe vers vous, ne vous déhanchez pas. Gardez les deux fesses au même niveau. Donc, vous essayez de baisser la fesse de la jambe que vous tirez vers vous. Et vous allez voir que quand vous baissez la fesse, cette jambe-là pousse aussi contre les mains. Et du coup, vous avez plus de travail dans les bras. Gardez simplement les épaules basses. Voilà, on a une petite résistance. On pousse la jambe contre les mains. Et on descend l'autre. Attention de ne pas écarter la jambe qui descend. Voilà, on ne l'écarte pas, on la referme en contractant à l'intérieur de la jambe. Les enfants, c'est formidable. Regardez, on va encore plus loin. Vous essayez de déplier un peu la jambe en haut. Alors faites ce que vous pouvez. Hein. Voilà, vous poussez contre les mains. Vous poussez un petit peu vers l'avant. Et vous dépliez. Alors faites ce que vous pouvez. Alors, ramenez bien la jambe vers vous, hein. Les bras se plient, ça travaille dans les biceps. Évidemment, le plus important, c'est cette jambe-là. Ah, et puis après, vous allongez l'autre. Coccyx vers le haut. Le petit secret, c'est plus vous mettez haut sous les fesses, plus vous allez tendre la jambe. Essayez. Essayez peut-être de plier le coussin, de le mettre plus haut. Souffle, périnée, épaules basses, les coudes vers l'avant, ne prenez pas la force avec les coudes vers l'extérieur, soyez exigeant sur le placement, même si vous allez moins loin, voyez ça c'est bien, parce que c'est bien placé en bas, périnée, ventre rentré, bascule du bassin, épaules basses, coudes serrés, coulons, voyez, et ça, ça peut être complètement catastrophique si vous avez le cou cassé, les épaules en l'air, le ventre lâché, voilà, ne me faites pas le pilates de quelqu'un d'autre. Je peux plus rien dire, c'est pas politiquement correct. Ma prof de danse disait, c'est pas l'école de danse des PTT. Mais là, si je dis ça, il va y en avoir 5 qui vont me dire je travaille au PTT. Ça n'existe plus? Non, c'est vrai? Allez, relâchez. Passez sur le côté. Asseyez-vous. Mettez-vous en hauteur. Voilà, mettez-vous en losange comme ça s'appelle le diamant. Vous l'avez? Allez, grandissez-vous. Donc, on empile les fesses, les épaules et la tête. C'est bon, vous l'avez? Vous gardez une tenue dont vous serrez les talons. Évidemment, le périnée. Mettez les mains sur les clavicules pour sentir que c'est ouvert et que les épaules sont basses. Maintenant, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Vous relâchez un petit peu, vous soufflez, vous allez plus loin. Vous relâchez un petit peu, vous soufflez, vous allez encore plus loin. Et vous inspirez, vous revenez. Allez de l'autre côté, épaules basses, hein, souffle, pivote. Le périnée. Relâche un peu, souffle, pivote, un peu plus. Et reviens, souffle, pivote, à fond. Donc on y va un peu, beaucoup, passionnément. Comme si on était en train d'essorer. Et on périne, on périne, on périne. On grandit. Allez. Un. Souffle, deux. Souffle, trois. Et inspire bien. Et l'autre côté, souffle 1. Laissez bien les épaules, souffle 2. Appuyez bien les mains sur la poitrine. Descendez les coudes. Souffle 3. Et on revient. Dernière fois de chaque côté. Allez. Et épaules basses. Descendez bien ça. Les clavicules. Et le dernier côté. Allez. Pivote, souffle. Plus loin. Relâche un peu. Et une dernière fois. C'est bien! Allez les enfants, on va à plat ventre.
Vous mettez le coussin sous le bassin. Voilà. Alors, vous savez, hein, vous le mettez sous le bassin et le ventre. Donc, mettez-le comme ça. Commencez en dehors du tapis, vous roulez sur le tapis. On est prêt pour les JO. Les jambes de la largeur des fesses. Les bras le long du corps avec les paumes soit vers les cuisses, soit vers le plafond. Voyez ce qui va le mieux avec vos épaules. Tendez les jambes. Ramenez le coccyx vers le sol par la contraction abdominale. Tenez bien le ventre et le périnée. Vous ouvrez les épaules, vous inspirez. Soufflez, vous baissez les épaules et vous vous soulevez du sol. Le menton rentré. Vous inspirez, vous restez en l'air. Et vous soufflez, vous redescendez tout doucement la tête et les épaules. Ouvrez la poitrine, inspirez. Soufflez, baissez les épaules et vous montez. Tirez loin sur les orteils, les doigts. Grandissez par les oreilles. Inspirez, vous restez en l'air. Soufflez, vous descendez. Allez, encore. Vous ouvrez la poitrine sur l'inspiration. Soufflez, vous vous soulevez. Coccyx vers le sol. Menton rentré. Regardez sous vous. Inspirez, vous restez sans lâcher le ventre. Soufflez, vous descendez. Une dernière fois. Ouvrez la poitrine, inspirez. Soufflez, montez. Coccyx vers le sol. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous relâchez. Allez, remontez les fesses. Mettez-vous à quatre pattes. Les mains de la largeur des épaules, les pouces de la largeur des épaules. Soufflez, arrondissez. Alors, rentrez bien le menton, inspirez dans le dos. Et soufflez, vous vous redressez. Et vous passez sur le côté, les enfants. Alors, mettez-vous sur le coude. Voyez le coude, pour avoir un bon placement d'épaule, il faut absolument pas qu'il soit là. Il faut avoir le coude sous l'épaule, avec l'impression que vous êtes en train de ramper, de ramener le coude vers la fesse. Voyez ? Si vous avez l'impression de ramener le coude vers la fesse, ça se contracte sous l'aisselle. Et là, vous avez le placement de l'épaule qui est très délicat parce qu'il y a deux os et un tendon au milieu. Dès qu'on lève un peu l'épaule, c'est foutu, le tendon est écrasé. Allez, baissez bien l'épaule. Enfoncez le coude dans le sol. Vous avez les genoux plus bas que les fesses. Les pieds flex. Vous allez soulever les fesses et vous allez les relâcher. Donc, baisse l'épaule, inspire. Souffle, soulève les fesses en contractant la taille vers le sol. Inspire, ne bouge pas. Souffle, descend. N'hésitez pas à vous arrondir un peu vers l'avant si c'est mieux pour vous. Hein. Stabilisez l'épaule, inspire. Souffle, monte. Inspire, laisse. Souffle, relâche. Une dernière fois. L'épaule basse, inspire. Souffle, soulève les fesses. Inspire, reste. Et souffle, revient. N'hésitez pas, vous voyez, quand vous montez, à vous arrondir un petit peu. Ça correspond à votre forme de dos, pour beaucoup. Allez. De l'autre côté, les genoux plus bas que les fesses, pieds flex, le coude sous l'épaule. Voilà, essayez de ramener le coude vers la fesse. Vous sentez ce truc-là, ça se contracte sous l'aisselle. Allez, on y va. On repousse le sol, souffle, monte, inspire, reste, et souffle, revient. L'épaule stabilisée. Soufflez, vous montez. N'hésitez pas à vous enrouler un petit peu comme ça, voyez. Inspirez, vous restez, c'est mieux. Et soufflez, vous descendez. Allez, stabilisez l'épaule, inspirez. Soufflez, montez. Inspirez, vous restez. On apprend. On comprend. On apprend. C'est important. On ne fait pas beaucoup. Baisse l'épaule, inspire. Souffle, monte. Inspire, reste. Et vous croyez vous en tirer? Relâchez les épaules un petit peu, les choux. Ouais. Les mains de la largeur des épaules. Vous l'avez? Regardez. Repoussez le sol. Repoussez le sol. Voilà, ça c'est stabiliser les épaules. Gardez les épaules repoussées. Soulevez les genoux. Soulevez les genoux. Sentez la tenue abdominale, restez en l'air. Pliez un peu les bras. Pliez un peu les bras. En gardant les genoux en l'air. Appuyez les doigts. Les coudes vers les cuisses. Encore 3. 2. Dernier. Et vous relâchez. Ah, relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Relâchez tout. Les enfants, on s'attire. Je vous mets un... Alors, vous savez quoi, ce cours-là, le matin en direct, les enfants, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en rediffusion, il y a un monde pas possible. Donc, vous allez me dire une chose. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le cours à une autre heure? Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop tard pour vous? Faudrait que je demande... Voilà, vous m'envoyez, vous m'écrivez tout à l'heure. On y va. C'est tiré.
Asseyez-vous en hauteur. Allez, mettez-vous face à moi. Voilà, soit en tailleur, soit avec les jambes tendues. Comme vous voulez par rapport aux genoux. Allez, mais moi je mets en tailleur. Ah, pied flex. Agrandissez-vous bien. Attrapez derrière sous les genoux. Voilà, et vous mettez les épaules en arrière. Vous serrez entre les omoplates. Redressez bien le bas du dos, voyez. Redressez bien le bas du dos. Évidemment, s'il y a des pincements en bas du dos, quand vous cambrez, ne le faites pas. Sécurisez toujours avec le périnée et le ventre tenu. Agrandissez la taille, agrandissez le cou. Sentez bien toujours cette contraction entre les omoplates et sous l'omoplate. Et vous ne lâchez pas cette tenue abdominale. Donc votre respiration, elle est dans les côtes. Elle est sur les côtés, elle est dans le dos. Mais on ne lâche pas le ventre, vous n'avez pas une respiration dans le ventre. Ça marche? Allez, continuez à grandir et vous pivotez. Poussez bien la main contre le genou. Voilà, petite résistance, l'épaule basse. Donc vous inspirez, vous grandissez et soufflez, vous pivotez. Pensez à vous grandir dans la rotation. Imaginez que vous avez de l'eau jusqu'au nez. Parce que dans la rotation, la structure des disques intervertébraux fait que vous allez vous tasser. Et vous ne voulez pas vous tasser. Inspire, relâche, souffle, pivote. Inspire, relâche, souffle, pivote. Appuyez bien les pieds et les genoux vers le sol. Et changez de côté. Je vous ai mis de la country. J'ai été élevé, moi, là-bas. On traversait des zones comme ça avec des champs avec le pick-up, la country à fond. Ouais. Je suis un fermier, moi. Allez, vous grandissez, vous inspirez et vous soufflez, vous pivotez. C'est en Californie, pour moi. Allez, soufflez, vous pivotez. Avec les champs d'oranger, de noyer, d'amandier, les vaches partout. Et vous croisez jamais personne en fait. C'est chouette. Gardez toujours engagé le centre. Eh ben c'est bien. Allez, redressez-vous. Agrandissez la taille. Laissez tomber les épaules. Grandissez le cou. Appuyez les pieds et les genoux vers le sol. Alors, relâchez un petit peu les jambes vers l'avant. Relâchez un peu les genoux. Allez, vous ramenez les pieds vers vous. Si vous avez mal aux genoux, faites un angle droit. Comme ça, d'accord? Allez, vous allez vous redresser. Donc peut-être qu'il faut reculer un petit peu les mains pour vous redresser. Voilà, les mains à la largeur des épaules, parce que sinon vous n'êtes pas appuyé sur tous les doigts. Et vous poussez les genoux vers le bas. Voilà, redressez-vous. Pied flex. L'impression c'est d'ouvrir les plantes de pied. J'allais dire les paumes de pied. Hein. Voilà, prof de sport. Inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Alors, essayez de faire comme ça. Vous inspirez, vous relâchez, vous soufflez, vous poussez. C'est du bien d'ouvrir la poitrine. Ben, ça devrait être comme ça tout le temps. Au lieu d'être tout recroquevillé comme un rapace. Franchement. Quelle évolution de la posture en quelques années. C'est tellement généralisé que personne ne s'effraie vraiment, hein, parce que tout le monde le voit sur le voisin. Il faut s'indigner. Indignons-nous. Relâchez les genoux. Ok, alors, on attaque derrière la jambe. Allez, couchez-vous. Je reste un peu vers vous parce que vous me manquez quand même. Prenez la serviette. Allez, dépliez-la. Attrapez derrière le pied. Voilà. Adaptez bien la hauteur de la tête. Hein. Il ne faut absolument pas casser le cou. Les coudes vers l'avant. Les deux hanches au même niveau. Donc, baissez la fesse de la jambe que vous étirez.
Parce que souvent on hausse la fesse de la jambe qu'on étire. Pour ce faire, il faut serrer la taille de l'autre côté. C'est bien fait le corps. Hein. Voilà, imaginez que vous avez le niveau de bricolage sur le bassin, la bulle au milieu. Alors votre jambe est tendue mais pas verrouillée, donc déverrouillez-la. Et vous résistez en poussant, vous voyez, le talon vers l'avant. Et vous allez résister pendant 5 respirations où vous passez beaucoup plus de temps à souffler qu'à inspirer. Épaules basses, les fesses au même niveau. J'en suis à ma 4e. Vous respirez trop vite. Allez, on relâche. Les enfants, la 2e jambe, qui est votre jambe la plus raide, parce que je vous connais, vous passez autant de temps. Allez, les deux fesses au même niveau. On fléchit le genou légèrement. Les coudes vers l'avant, les épaules basses. L'expiration longue. 5 fois. Grandissez bien le buste. Plantez la fesse dans le sol. Déverrouillez le genou, résistez. J'en suis à 3. Les enfants, on va finir en karaoké pilates, qui était mon jour du... c'était le vendredi matin à 9h, karaoké pilates. Ah, oh, c'était bien. Johanna, c'était bien. Oh. Mais ça, c'était avant. Vous savez quoi? Je suis ravi de faire ce programme. Je suis ravi de faire ce programme. Je voudrais simplement l'emmener plus loin, en faire profiter beaucoup plus de gens et attaquer des causes qui me tiennent à cœur. Voilà. Mettez-vous en fente. Les jambes sur deux lignes différentes. Pour ceux qui me connaissent, je veux m'attaquer à l'obésité. Je veux éduquer les gens, je veux les divertir. Voilà, l'obésité, qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? Ah ben, il y a toutes les maladies qui vont avec. Le cardiovasculaire, là. Qu'est-ce qu'il y a? La sédentarité, la dépression, là. Le diabète? Ouais. Le tabagisme? Mais alors, je sais qu'il doit y en avoir qui fument. Mais franchement, je vais pas avoir tous les lobbies avec moi. Hein. Le vin, l'agroalimentaire, le sucre, mon Dieu, le tabac. Voilà. Je vais pas avoir de copains, ça va pas me changer. Basculez bien le bassin. Essayez de ramener la jambe arrière vers la jambe avant. Appuyez le pied à l'arrière. Voilà, et maintenant vous restez comme ça, vous laissez fondre tout ce qui est tendu là. On défossilise. Grandissez-vous. Vous dépliez votre dos. Le simple fait de déplier le dos, c'est un étirement. C'est une affirmation. Et vous savez quoi? Je vais baisser. Parce que je vous dis des choses sensées de temps en temps. C'est quel bouton? C'est toujours pas le bon. Changez de jambe. Allez, les pieds dans l'argent des fesses, le pied plus loin que le genou. J'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Basculez bien le bassin. Ah oui, j'ai trouvé. Et vous appuyez le pied à l'arrière et ramenez le genou vers l'avant. En fait, votre posture, voyez, quand vous redressez la posture, ben vous voyez autre chose, vous changez votre perspective. Et le fait de changer sa perspective, ça change tout, les enfants. C'est comme en thérapie, en psychothérapie. On voit les choses autrement et on contourne les obstacles, on avance. Dans mon programme des femmes qui ont un cancer, le fait de redresser la posture, c'est pas simplement parce qu'elles se sont refermées. C'est aussi pour qu'elles avancent dans la vie. Il y a le chemin là, il y a le soleil là. Bon, allez, je vous laisse. Appuyez le pied. Ramenez le genou vers l'avant. Vous avez parlé du périnée? Ah, sentez que ça prend tout doucement devant.
Alors, on a fait cet étirement, mais rarement, hein. Une fois je crois. Vous allez croiser la jambe derrière. Voilà, croiser, vous allez mettre le pied à plat. Donc vous voyez, vous croisez, vous mettez le pied à plat et vous allez vous déhancher un petit peu en tenant bien le ventre. Donc là, on croise, met le pied à plat et vous poussez les fesses un peu sur le côté. Voilà, en tenant bien le ventre, vous pouvez arrondir un peu le haut du dos. Appuyez bien l'extérieur du pied dans le sol, j'ai entendu. Je peux le faire comme ça, là. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça. Et là, on sort vraiment l'étirement sur tout le côté qui est très important. Surtout avec tout le cardio qu'on a fait. Important, pied flex, jambes tendues. On ne plie pas le genou. Le genou tendu est fort, le genou plié, c'est la catastrophe. Allez, on fait l'autre côté. On allonge la jambe, on ramène vers l'intérieur, pied à plat et on se déhanche. Voilà. Tenez bien le ventre, arrondissez un peu le haut du dos. Alors, le pied bien flex, la jambe très tendue. Ah. Allez, arrondissez le dos. Et redressez-vous. On se redresse. Enfante, pied flex. Alignez le genou, la fesse, l'épaule, la tête. Et vous remontez. Vous avez vu comment? Eh ben oui! Élégant tout le temps. Ah, oh, c'est beau ça, on dirait un slogan pour De Vernois. Hein, je suis moi en De Vernois, élégant tout le temps. Allez, plie la jambe droite. Bascule le bassin. Monte le bras à gauche. Et tu as vu, je l'ai monté par l'avant et je l'ai écarté de la tête. Je ne fais pas des choses sauvages comme ça. Hein. Le bras est vers l'avant, toujours, pour le placement de l'épaule. Maintenant, vous allez serrer la taille de ce côté-là et vous allez aller sur le côté. Toujours en arrondissant le haut du dos. Ventre en arrière, les côtes en arrière. Voilà. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous attrapez avec deux doigts votre poignet, vous tirez. Sans coller le bras sur la tête, hein, jamais. Donc on pousse le ventre en arrière, on pousse le bas des côtes en arrière et on s'arrondit vers l'avant et sur le côté. Et comme la jambe est pliée, du côté vers lequel nous allons, il y a moins de tension sur le bas du dos. Allez, l'autre côté. Commencez par vous grandir, plier. Montez le bras, écartez-le de la tête, gardez-le vers l'avant. Maintenant, vous serrez la taille de l'autre côté pour aller sur le côté. Vous contractez les abdominaux pour aller vers l'avant. Ouais, poussez les côtes en arrière, attrapez avec deux doigts si vous voulez, et attention que je monte de face, on ne colle pas le bras sur la tête, hein. Toujours un peu éloigné. Ce sont les épaules qui bougent, pas le bras. Voilà. On fait un plongeon sur le côté et un peu vers l'avant. Poussez le ventre en arrière, poussez le bas des côtes en arrière, le coccyx vers l'avant. Vous vous redressez. Grandissez-vous, pieds parallèles. Refermez les gros orteils, ouais. Enfoncez le talon dans le sol. Basculez bien le bassin. Tirez sur les doigts. Gardez les mains un peu en avant pour le placement de l'épaule. Ouais, l'impression, vous voyez, c'est de descendre le coccyx et qu'on vous prend toute la peau du dos et qu'on vous tire les cheveux sur la nuque. On décambre. Et en décambrant l'arrière, on étire l'arrière. Allez, vous relâchez. Les enfants, c'est fini. J'arrive. Il reste quelqu'un? Oh. Je vous dis au revoir quand même. Hein, je vous raccompagne. J'ai un truc à faire, je sais plus ce que c'est. Ah oui, je dois. J'ai eu un article, oui, j'ai une journaliste qui a fait un article sur moi. Il faut que je l'appelle pour qu'on voit l'article, corriger les petites fautes. Je suis content. Hein. Alors, Sabine chérie, Marilyn, Isabelle, Rumba. Ça va, Rumba? Maintenant, Rumba. Que c'est le déconfinement. Tu rentres chez toi. Elle est sortie tout le confinement. Donc, c'est logique, non? Vous me faites un bisou? Non. Pourquoi? Vous savez pas écrire. Ah, d'accord, je viens de voir un pouce comme ça. Moi aussi, regarde, je te fais un pouce. Je peux même te faire un pouce d'orteil. Mouah. Oh, un autre pouce. Faites-moi encore un pouce. Faites-moi un cœur et je m'en vais. Allez, fais un cœur. Christina. Hola, Karina. Que tal? J'ai vu tes photos hier avec les petits pois. Eh ouais, mais les épaules basses. Hein, le bras en avant. Ok.
besitos, querida. Te quiero. Oh, bah alors là, ça y est, hein. Des millions de petits cœurs se donnent la main. Ah, merci. Ah, génial. Merci, ma Marilyn. Je vais le regarder. Bisous, câlin. Je vous réponds en direct et je vous réponds après, hein. Allez, ciao. Ah, bah alors, c'est en fait, il y a juste un décalage. Ah, d'accord, il fallait le savoir. Allez, ciao, je m'en vais. À tout à l'heure.